Heureuse de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette édition dont voici d'abord les principaux titres. Les bureaux de change qui ne parviennent pas à échanger 50 000 dollars ou euros par semaine seraient suspendus. C'est une des décisions prises par le Premier ministre à l'intention des responsables des bureaux de change. Moïse Ngouloudzidza, il est porte-parole du Premier ministre. Flambée des prix de vivres et perturbation des activités commerciales au marché central de la ville de Lumongue. Une des causes serait une décision de la BRB de retirer de la circulation des anciens billets de 10 000 francs et 5 000 francs burundais. Voici pour le sommaire, tout de suite les détails. Bienvenue encore une fois. Les bureaux de change qui ne parviennent pas à échanger 50 000 dollars ou euros par semaine seront suspendus. C'est une des décisions prises par après une réunion dirigée par le Premier ministre à l'intention des responsables des bureaux de change. Moïse Ngouloudzidza, porte-parole du Premier ministre, indique en outre que ces bureaux ont été tenus de déposer en il y a de 3 jours 500 millions de francs burundais sur les comptes de la Banque centrale comme convenu à leur réouverture. Suivez-le. Les soi-disant responsables de ces maisons de bureaux de change ne sont pas réellement des vrais responsables de ces maisons. Il a été alors décidé dans cette réunion, ce qui suit, tout bureau de change dans un délai ne dépassant pas 3 jours doit reconstituer son capital social de 500 millions comme c'est le prescrit de la réglementation à la matière. Deuxièmement, il a été formellement interdit à tout commerçant de faire des transactions à monnaie étrangère. Seule la monnaie locale, Frambo, est autorisée pour faire des achats ou faire autre chose en matière commerciale. Il a été recommandé à tout bureau de change qui ne parviendra pas de collecter et déclarer 50 000 d'euros ou de dollars à la BRB pour une semaine, cette maison sera rayée de la liste. Et il a été demandé également à tout bureau de change qui a été ouvert au nom de plus d'une personne et de remettre les documents attestant que cette maison appartient à plus d'une personne, de présenter ces documents aujourd'hui même à la Banque centrale. Il a été également interdit à toute personne physique ou morale de faire des transferts monétaires vers l'étranger. Également, donc les établissements qui étaient autorisés à faire ce transfert, les établissements de transfert monétaire, ont été suspendus et ce rôle reste exclusivement réservé aux banques commerciales. Flambée des prix de vivres et perturbation des activités commerciales au marché central de la ville de Lumongue. À l'origine, ce serait la décision de la BRB de retirer de la circulation des anciens billets de 10 000 et 5 000 francs en bourg et la décision du ministre ayant l'intérieur dans ses attributions qui en est suivie. Selon les commerçants qui se sont exprimés, il voudrait par conséquent la révision de cette mesure ministérielle et la disponibilité de ces nouveaux billets. Reportage signé Jean-Pierre Missag. Les prix au kilo des grains de maïs, du riz, du haricot et autres denrées alimentaires provenant de l'extérieur de la ville de Lumongue étaient montés de 300 francs burundais à 800 francs burundais par rapport au prix de ce 7 juin courant. Les consommateurs se demandaient pourquoi. Pour certains vendeurs de ces denrées alimentaires, ce serait dû à la récente mesure du ministère ayant l'intérieur dans ses attributions, suspendant temporairement la collecte des vivres
et cela jusqu'au 20 juin 2023. Chez d'autres commerçants, c'est le manque de nouveaux billets et ou de petits billets en échange des billets de 10 000 francs burundais et de 5 000 francs burundais dont se servent actuellement et en grande quantité les clients comme si c'était pour s'en débarrasser qui perturbe le circuit monétaire. Ceux qui se sont exprimés voudraient la révision de cette mesure du ministère et à l'intérieur dans ses attributions et la disponibilité de ces nouveaux billets. Entre-temps, les nouveaux billets étaient introuvables ce lundi matin dans les banques, le bureau postal et les institutions de microfinance opérant dans la ville de Rumonge. De Lumonge à Ujumbura, où le même cas s'est observé, la hausse des prix des denrées alimentaires est constatée dans ces derniers jours à mairie de Bujumbura. Le Aliko communément appelé Kinoudé coûtait 2300 par kilogramme. Pour le moment, la même quantité coûtait 3700 francs. Le riz de la moyenne qualité coûtait 3300. Pour le moment, ça coûte 3800 francs. Certains commerçants explique que cette cherté est causée par la mesure récente du ministre de l'Intérieur. Cela s'ajoute la décision de retirer en circulation les anciens billets de 10 000 francs et 5 000 francs. Reportage Clovis Nihour. Les commerçants de Alicon, le riz, les pommes de terre rencontrés au marché de Kotebo à mairie de Bujumbura nous ont révélé la situation actuelle des prix des denrées alimentaires. Ils disent que le Alicon dit qu'il nous les coûtait 2300 francs par kilogramme. Pour le moment, la même quantité coûte 3700. Le Alicon dit qu'il qui coûtait 2100 s'achète actuellement 3500 francs. Un kilogramme de graines de maïs qui coûtait 1600 coûte actuellement 1800 alors que le riz de la moyenne qualité du Umurundi coûtait 3800 au moment où il coûtait 3300. Ces commerçants expliquent que la récente mesure du ministre de l'Intérieur interdisant le déplacement des produits alimentaires d'une province à une autre serait la cause de cette hausse des prix. Ils ajoutent que la décision de la Banque de la République du Burundi de retirer la circulation des anciens billets de 10 000 et 5 000 francs serait également la cause de la flambée des prix. Il demande aux autorités habilitées de trouver solution à ce problème. Cela est ainsi au moment où aucun commerçant n'est autorisé à déplacer les denrées alimentaires d'une province à une autre, à l'exception de ceux qui achètent de petites quantités pour les familles. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.